إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أبي ذر الغفاري رضي الله عنه un compagnon il nous raconte une histoire d'une dame qui est venue voir le prophète قالت له يا رسول الله je vais être en voyage cette semaine فأوصني donne-moi des recommandations une wasiyya. Donne-moi des recommandations, ya Rasulallah. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah subhanahu wa ta'ala là où tu es. Qalat ya Rasulallah, zidni. Encore une, ya Rasulallah. Qala alayki bitilawati al-Qur'an, fa innahu nourun laka fil ard, wa dhukhrun laka fil sama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit récite le Coran. Qira le Coran. Récite le Coran. Pourquoi ? C'est une lumière pour toi sur terre et c'est une dhukhrun laka fil islam. C'est une élévation pour toi et on va citer ton nom là-haut chez Allah subhanahu wa ta'ala. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire quoi, ayyuha al-ikhwa ? On va imaginer un petit peu qutila al-insanu ma akfarah. Cet homme, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le décrit dans le Coran, comment il est ingrat. Et on va juste schématiser un petit peu cette chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a descendue du septième ciel. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran, « Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjid al-haram ilal masjid al-aqsa, alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. » Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du voyage nocturne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la Mecque à Jérusalem. Et de Jérusalem, le rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, il va passer au septième ciel. Et au septième ciel, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Ma kadhaba al-fu'ad ou ma ra'a » Il va voir de vos yeux. De vos yeux, il va voir le jannah. Il va voir jannat al-ma'wa, inda sidrat al-muntaha. De vos yeux, il va voir ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il revient sur terre, son seul credo, son seul souci, c'est quoi ? C'est de sauver l'humanité. Imaginez, ayyuha al-ikhwa, quand on parle de notre position sur Terre, nous les humains, nous sommes sur la planète Terre. On nous dit, les astrophysiciens nous disent, la vitesse de la lumière, c'est quelque chose comme 300 000 km à la seconde. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km à la seconde. Imaginez bien. Alors, on nous dit, dans l'espace intersidéral, quand on sort de la Terre, quand on est dans le grand espace, on ne compte plus en kilomètres, mais on compte en années-lumière. Et c'est quoi une année-lumière ? Une année-lumière, c'est 300 000, que multiplie 60, ça fait une minute, que multiplie 60, ça fait une heure, que multiplie 24, ça fait un jour, que multiplie 365, ça fait une année-lumière. C'est un chiffre comme ça, qui ne rentre pas dans la calculatrice. Alors, vous imaginez, quand on cite une étoile, quand on cite une galaxie, on vous dit aller à quelques années de lumière ou quelques millions d'années de lumière. Nous sommes les humains sur la planète Terre. Nous faisons partie, nous les humains, de la planète Terre, qui fait partie du système solaire. Or, notre soleil, c'est pas le plus grand soleil des soleils qui existent dans notre galaxie qui est la Voie lactée. Nous sommes dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Notre soleil, c'est un petit soleil par rapport aux autres soleils qu'on peut voir. Et on nous dit, les étoiles qu'on voit. Allah subhanahu wa ta'ala parle de Sirius, dans le Coran, dans la sourate al-Najm. Wa annahu rabbu al-Shi'ra. Al-Shi'ra, c'est Sirius.
ce sont d'autres soleils qui existent. Les étoiles qu'on voit, ce sont des soleils éteints. Ils sont tellement loin que leur lumière nous arrive seulement maintenant. Nous sommes donc sur la planète Terre qui fait partie du système solaire, qui fait partie de notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Or, vous imaginez, ayyuhal ikhwa, on vous dit que sur l'univers, les astrophysiciens estiment le nombre de galaxies à combien ? À 2000 milliards de galaxies dans le monde, dans l'univers. 2000 milliards de galaxies qui sont à quelques millions d'années-lumière de nous. Qutila al-insanu ma akfara. Qui sommes-nous dans l'univers ? Men nahnu. Qui sommes-nous, nous, l'être humain ? Qui sommes-nous dans cet univers ? Men nahnu. Hatta Allah subhanahu wa ta'ala, imaginez, ayyuhal al-ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala privilégie cet homme, cet être humain, il lui descend une parole du septième ciel. Vous savez ce que c'est le septième ciel ? Tout ce que je viens de décrire, les ulama vous disent, ça c'est le ventre mou de Sama ad-Dunya. C'est Batanus Sama ad-Dunya. Ces milliards de galaxies qui sont à des années-lumière, c'est le ventre mou de Sama ad-Dunya. C'est ce qu'on peut imaginer, nous, en tant qu'être humain. Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ce Coran, il descend du septième ciel. Et Allah, il a choisi qui ? L'être humain. Pour lui donner quoi ? La parole divine. Le mal insan yaqra le Coran, quand on lit le Coran, c'est Allah qui nous parle. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, fait ayat al-siyam, il dit, « Wa la'allakum tashkurun. » Nous sommes en jeûne. Des fois, c'est pénible le jeûne. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand vous aurez fini votre mois de Ramadan, vous allez remercier Allah qu'il vous a guidé pour que vous compreniez le sens de ce qu'il a descendu sur vous. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce mois qui est sacré, il le décrit. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ. Et on vous dit, en arabe, quand on répète, un mot. Quand on répète le sens d'un mot, c'est pour marquer l'importance. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce mois-ci, c'est un mois béni, c'est un mois extraordinaire. Pourquoi ? Pour que vous voyez ce que Allah subhanahu wa ta'ala, comment Allah il vous a comblé par ses bienfaits. Quand vous vous mettez en jeûne, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit à nous, les êtres humains, les petits êtres humains là, qui sont une poussière dans l'univers, « Qutila al-insanu ma akfara ». Nous sommes une poussière dans l'univers et l'être humain il s'enfle d'orgueil. Et qu'est-ce que c'est que cette religion? Et qu'est-ce que c'est que ce Coran? La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala yara ibadahu min alou. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Subhanalladhi asra bi abdihi. Dhurriyata man hamalna ma'a nuh innahu kana abdan shakura. Allah subhanahu wa ta'ala il aime celui l'abd. Vous savez que ça veut dire abd? Tariq mu'abbad. Quand on parle d'une route, on dit mu'abbada, ça veut dire qu'elle est facilitée pour celui qui va passer dessus. Quand on parle d'une autoroute, on dit mu'abbada, tariq mu'abbada, qu'elle est facilitée, mudhallala. Al-abd huwa alladhi yatadhallalu ila Allah. Il se fait petit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il connaît sa faiblesse. Wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit yuridu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire, les injonctions, c'est pour nous, c'est pas pour lui. Bien au contraire. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, méditez ce Coran qui est descendu du septième ciel sur cet être humain, cet petit être humain. Méditez ce Coran, vous allez comprendre la valeur d'Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Personne ne connaît, on ne connaît pas la valeur d'Allah, effectivement. Alors aujourd'hui, ayyuhal ikhwa, pour méditer ce Coran, on va s'arrêter sur deux ou trois stations, faqat. Sur deux ou trois ayats. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce Coran, il a mis des règles. Des règles de vie. Des règles de vie. Il a mis des règles. Et si on les comprend, et si on les accepte et on les comprend, ne t'inquiète pas. La khawfun alayka wa la anta tahzan wa la hum yahzanun, comme dit le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, faman tabi'a hudaï. Celui qui suit la guidance, celui qui suit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu, Ni tu auras peur, ni tu seras affligé. C'est ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Dès que tu suis la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'aie pas peur. Allah subhanahu wa ta'ala, Adam, on a parlé la semaine dernière des bienfaits dans lesquels Adam il baignait quand il était fil Jannah. Et on a dit que les bienfaits dans lesquels il baignait, ce n'était pas seulement des bienfaits matériels. Pas seulement ça.
Le meilleur bienfait, le grand bienfait que Adam il avait quand il était fil Jannah, c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui parlait directement. Il avait cette proximité, manzilat al-qurb min Allah. Cette proximité qu'il avait avec Allah, et bien quand il est descendu sur terre, il ne l'avait plus. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous voulez retrouver cette proximité, faites ça. Jeûnez le jour et méditez le Coran la nuit. Et vous allez retrouver cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu as la proximité d'Allah, billahi alayk, de qui tu as peur? Comment tu peux être triste? Quand tu as la proximité d'Allah, celui qui a créé cet univers que nous avons décrit en début de la khutbah, comment tu peux avoir peur d'un être humain comme toi qui peut être paralysé par un caillot sanguin? Comment tu peux avoir peur de quelqu'un, la ilaha illallah, qui finira par mourir, qui finira par disparaître? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne des règles dans le Coran. Parmi les règles, ayyuha al-ikhwa, on va citer deux ou trois ayats. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, fa'asa Adam rabbahu faghawa. Et quand Adam, alayhi salam, il a mangé de l'arbre interdit, qu'est-ce qui s'est passé? Fabadat lahuma sawatuhuma. Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé sa nudité, a dévoilé sa aura. Fatafiqa yakhsifani alayhima min waraqil jannah. Adam, il prenait les feuilles du paradis, il se cachait. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il se cachait, pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé sa nudité. Al-khulasa, la règle ici, c'est quoi? Quand une personne désobéit à Allah, elle désobéit une fois, Allah yasturuh. Elle désobéit deux fois, Allah subhanahu wa ta'ala il continue de le protéger. Et elle désobéit trois fois, Allah subhanahu wa ta'ala il le protège. À un moment donné, l'insan, l'être humain, la istahi. La istahi, il n'est pas pudique devant Allah. Allah, il lève le voile sur lui. Comme a dit Ibn al-Qayyim, إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ سِتْرٌ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ الْعِبَادِ حِجَابٌ فَإِذَا أَنْتَ هَتَكْتَ السِّتْرَ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ رَفَعَ اللَّهُ الْحِجَابَ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْعِبَادِ. Entre toi et Allah, il y a une protection. Et Allah, et entre toi et les gens, il y a un voile. Les gens, ils ne voient pas ce que tu fais quand tu es tout seul. Mais si toi, tu ne fais pas attention à la protection qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis, Allah subhanahu wa ta'ala, il lèvera le voile sur ce qu'il y a entre toi et les gens. Qa'ida fil Qur'an. Min al-qawa'id al-Qur'aniya, ayyuha al-ikhwa, le concept coranique, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de méditer fi hadha shahr Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, man ya'mal su'an yujza bihi. Celui qui fait une mauvaise œuvre, qui fait du mal, il sera rétribué pour ce mal. If'al ma shi't ya ibn Adam kama tadin wa tudan. Fais ce que tu veux, ô fils d'Adam. Comme tu fais, on te fera. Qaïda. Si tu oublies ça et tu vas faire du mal à des gens, à des êtres, à un arbre, à un chat, Allah subhanahu wa ta'ala te rétribue pour ce mal. Comme tu fais, on te fera. Qaïda fil Qur'an, ayyuha al-ikhwa. Fi surat Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَدِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et Allah est seigneur dans son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Yusuf alayhi salam, on a tout fait pour l'assassiner. On a tout fait pour le faire disparaître. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que fi surat Yusuf, Yusuf était privilégié chez son père. Il est pris par ses frères, il est jeté dans un puits. D'une position de privilégié, il se retrouve dans un puits. Et du puits, il est récupéré, il est vendu en esclave. De l'esclavage, il se retrouve dans un palais. Du palais, il se retrouve dans une prison. Il se retrouve en prison. Il reste entre 5 et 7 ans, d'après Moufassirine, en prison. Il sort de prison. Il devient le ministre du budget, le deuxième homme de l'État. Qaïda, c'est quoi ça? La vie, elle te lève, elle te descend. Elle te lève, elle te descend. Elle t'élève et elle te descend. La courbe sinusoïdale, ça monte et ça descend. C'est pour qui? C'est pour nous, ayyuha al-ikhwa. Wallah subhanahu wa ta'ala dit sur surat al-Imran, in yamsaskum qarhun faqad massa al-qawma qarhun mithluh. Wa tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas. Si vous avez été affligés, vous avez été blessés, les autres aussi ils ont été blessés. Et ainsi nous alternons les jours entre les hommes. Donc ayyuha al-akh al-karim, ayyatuha al-akhti al-karima, quand tu passes par une épreuve, ne t'afflige pas.
Allah subhanahu wa ta'ala nous fait passer par une épreuve pour nous élever. Qaïda fil Qur'an. Qaïda fil Qur'an. Et qu'est-ce que ça veut dire Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Tu peux faire ce que tu veux. C'est Allah qui décide. Des fois, il y a des gens qui viennent apeurés. On fait des lois contre les musulmans. On fait des choses contre les musulmans. Regardez. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Des fois, des gens qui essayent de combattre Allah ou combattre l'islam. En fait, ils font des pièges à eux-mêmes. Ils font le plan d'Allah simplement. Souvenez-vous sur tel fil, tout ce qu'ils ont fait, Allah subhanahu wa ta'ala les a laissés arriver jusqu'à la Mecque. Et finalement, ceux qui étaient pleins d'orgueil le matin sont devenus comme une mâche dans l'après-midi. Qaïda Qur'aniya, Wallahu ghalibun ala amrihi, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Fais sur le Yusuf, ayyuha al-ikhwa. Quand les frères de Yusuf ils arrivent et qu'ils le reconnaissent à la fin de l'histoire, قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Il dit, moi je suis Yusuf, pardon, et ça c'est mon frère. Ainsi celui qui craint Allah et qui patiente et qui endure et qui persévère, Allah subhanahu wa ta'ala ne fera jamais perdre le travail des bienfaisants ou les œuvres des bienfaisants. Donc quand tu fais le bien, n'aie pas peur, frère. Quand tu fais le bien, n'aie pas peur, ma sœur. Pourquoi ? Parce que ce que tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala, je vous l'ai dit la dernière fois, Allah subhanahu wa ta'ala, tu prends ce bien que tu fais dans un temps fini et tu le mets dans un temps infini chez Allah subhanahu wa ta'ala où Allah subhanahu wa ta'ala va fructifier ce travail, va fructifier ce que tu as fait. Je finirai avec une autre ayah. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit à la mère de Moussa alayhi salam, il lui dit, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَدُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلِهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. L'ulama, ils vous disent dans une ayah, fil ayah, alors qu'est-ce qu'il y a? Deux ans, deux interdits et deux bonnes nouvelles. Nous avons révélé à la mère de Moïse, de Moussa alayhi salam. Allaite-le, arzi'ih. Et si tu as peur pour lui, mets-le dans un caisson et jette-le à la mer, jette-le dans le Nil. Et ne sois pas affligé, ne sois pas triste. Nous allons te le rendre et faire de lui un messager. Et qui c'est qui va le prendre? Celui qui a essayé de trouver cet homme, cette personne, qui va lui faire valoir la destruction de son empire, la destruction de son royaume. Il a passé des années à tuer des enfants pour détruire celui qui va détruire son royaume. Et c'est lui qui va l'élever. Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de l'histoire du commencement de Moussa alayhi salam, il nous dit « فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Nous l'avons rendu à sa mère pour qu'elle réjouisse son œil. » Et qu'elle ne soit pas affligée, qu'elle ne soit pas triste. Et pour qu'elle sache que quand Allah subhanahu wa ta'ala fait une promesse, haqq, c'est une promesse de vérité, mais la plupart des gens ne savent pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous allez, wa innakum la mayitun, et vous allez rencontrer Allah. Et ça c'est le principe, le premier credo chez nous, ayyuha al-ikhwa. Nous allons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons voir Allah comme on a vu le qamar, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, si vous pouvez ne pas dormir sur deux raka'at avant le fajr et deux raka'at avant de dormir, vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez cette lune ce soir, le soir de la pleine lune. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Ayyuha al-ikhwa al-kiram. Ma hasani an aqul. Tous les jours apporte son lot de bonnes nouvelles, ayyuhal ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de Ramadan, il nous dit « Wa la'allakum tashkurun ». Pourquoi tu remercies? Pourquoi on remercie? On remercie parce qu'on voit le bienfait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Ramadan, c'est un grand bienfait ». Fait Ramadan, ayyuhal ikhwa, nasta'oud ila al-Qur'an, masha'Allah. Les gens reviennent au Qur'an. Les gens nous demandent de faire salat al-tarawih. Allah ralm, on ne peut pas.
C'est pas à nous qui avons décidé de ne pas faire Tarawih, mais c'est cette pandémie et ces décrets qui font que la mosquée est fermée après le Maghreb. Mais il y a autre chose aussi, ayyuhal ikhwa. Tous les jours, on distribue entre 200 et quelques repas à des gens qui sont démunis, à des gens qui n'ont rien à manger, à des étudiants étrangers, à des étudiants qui viennent des dizaines de nationalités, ayyuhal ikhwa. Wallah, ayyuhal ikhwa, vous voyez, des dizaines de nationalités. Des gens qui viennent du fin fond du monde et qui arrivent et qui trouvent des musulmans ici à Aix, qui les nourrissent, alhamdoulilah. Et les gens, tous les jours, il y a des gens qui viennent, nous disent, moi je te ramène du pain, l'autre il ramène du lait, l'autre il ramène de l'eau, l'autre il donne de l'argent, tous les jours, ayyuhal ikhwa. Un sentiment de solidarité extraordinaire dans cette communauté. Et effectivement, c'est ça qui fait mal. À ceux qui... La différence, il y avait un non-musulman qui passait et les frères lui ont donné un repas. Lui ont donné un repas. Et il y avait quelqu'un qui est converti. Il lui a dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, on distribue les repas pour les jeûneurs. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre. Il a pris, il a dit, ce que vous faites, c'est bien. Il a dit, c'est ça l'islam. Ce qu'il raconte, ça c'est la télé, ce qu'il raconte. Ce qu'ils disent, la réalité, elle est sur le terrain. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا في هذا رمضان اللهم اجعله مغفرة لنا واعتق رقابنا من النار في هذا رمضان يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الذين يصومون يومه ويقومون ليله وقربنا منك يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم مرتين